Salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23 de notre aventure sur Resident Evil 4. Let's go, on prend ce fichu ascenseur et c'est parti, on va directement casser des gueules. En tout cas, je l'espère. Vous l'aurez compris. Abandonner jamais. Oh non, non, non. Il est mort. Il est mort. L'ascenseur. Ok. Bon, il est parti en enfer. Ok. Oh là là, on commence un épisode très fort en chocolat. Ah putain. Oh là là. Ah oui, c'est tant qu'il y a quelqu'un sur l'ascenseur, j'avais oublié. Bien joué. Bien joué. Non, c'est pas vrai. Attends, mais j'ai oublié des trucs de fou en bas, ça veut dire, non? Je comprends pas. Ok. Waouh. C'est beau, hein. Oh, peu cher. Ok. Quoi? Ah, pas le droit de courir. D'accord, ok, ok, ok. J'ai saisi. Ok. J'ai totalement saisi. Ok.
presque tombé une fois dans le traquenard pour le savoir. Ahí está. Ok. Allez, ça on prend. Ça, j'aime bien. Petite herbe. Attends, y'a quoi là-haut? J'arrive, mon pote. Y'a forcément du lourd. Forcément de la dingue. Ok. Bon, ça sent le boss, hein, tu le sais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça me paraît pas mal. Ok, ok. Y a rien d'autre? Comment on peut aller là? C'est ça que je me pose comme question. Ok. Bienvenue. T'as des nouvelles choses? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'as des... Tu vends des jetons d'or, toi, maintenant? Ok. J'aimerais bien améliorer mon pistolet. S'il te reste des choses à faire, tu... Mais pour l'instant, je ne peux pas. Allez, c'est parti. Ça ferait bien de t'en occuper avant d'aller par là. Ce serait vraiment dommage d'avoir des regrets pour le restant de tes jours. Ça, il a une voix qui me dit quelque chose de fou. Mais je sais plus. Là, c'est l'ascenseur, et là, il y avait un bail. Et là, il y avait un autre bail, avec deux trésors. Putain, le seum. Et là, il y a un autre trésor aussi. Je ne crois pas. Trois trésors. Ça m'embête fortement. Ok. Les amis, c'était beau, c'était grand, mais on est parti. Ainsi, je vous ai remis la fille, comme je vous l'avais promis. Dites à notre seigneur de ne pas oublier la loyauté de son serviteur, Rama. Comme vous êtes stupide, Monsieur Kennedy. Vous avez reçu la grâce de Lord Sadler. Ah, tu parles et pourtant, trop. Vous échouez. Oh, espèce de riff sans aucun savoir-vivre. Comment osez-vous? Scénario pourri. Eh bien, pourquoi ne pas me montrer à quoi ressemble un bon scénario en écrit? Mais tous, un acte de défi envers moi. Vous êtes tellement adorable, petit homme minuscule. Ok. Ah, oh, ça c'est du jamais vu ça. Oh là là.
Ok. Surveillez votre langage, Seigneur. Que penseraient les autres de vous? Tu mérites la mort, une mort lente et misérable. Oh, putain de merde. Oh. Je vois pas comment l'esquiver, oh! Il est dur, hein. Il est sans pitié, hein. Ok. La vache. Ainsi. Bon, allez, on l'a déjà vu. J'aurais dû... Me mêle pas à ton scénario pourri. Eh bien, pourquoi ne pas me montrer à quoi ressemble un bon scénario en l'écrivant vous-même ? Oh la vache, l'acide, ça fusille le chien en fait. Ok, wow. Donc quand il fait ce coup là, tu peux pas esquiver, il faut que j'aille impérativement, je vous vois, je vous entends dans les commentaires, ça commence déjà à chouiner, je vais aller réparer immédiatement le gilet. Ah j'aime bien, il y a du challenge un peu. Bienvenue, j'ai plein de choses intéressantes à vendre, c'est du bon travail. Allez, très bien. S'il te reste des choses à faire, très bien. On est parti. On est reparti. J'aurais peut-être dû save d'ailleurs pour éviter de faire l'aller-retour à chaque fois. Et normalement là, ça devrait le faire. Full G, on est bon. Ok, let's go. Ainsi. Ok. Il a l'air totalement insensible à ça. Impeccable. Les nouvelles sont bonnes. Me mêle pas à ton scénario pourri. Eh bien, pourquoi ne pas me montrer à quoi ressemble un bon scénario en l'écrivant vous-même? Et maintenant, procédons à un changement. Ok. Waouh! Ouais, il découpe son acide. C'est vous qui décidez. Les deux vous voient merveille.
pierre, casse-moi ça. Surveillez votre langage, monseigneur. Que penseraient les autres de vous? Oh non, non, ça c'est injuste. Ça c'est injuste de fou, frère. Non! Approche de la fin là. Oh, let's go. Terminus, c'est les airs. Un rouge à lèvres. Ok. On va voir si on a fait tout le tour. Waouh. Ok. Ah ouais, il y a ça qu'on n'a pas eu. Ok. Bon, je crois que j'ai fumé toutes mes balles de magnum dans le vent, mais bon, vous vouliez que je les utilise, au moins c'est fait. On s'en sortira très bien sans, de toute façon. Bon, bah un petit rouge à lèvres, les gars, frais. Comme ça, dès que je retrouve Ashley, ça va être cool. Pas de temps à perdre. Oh. Ça, je prends. Ok. Ça, je prends. Faut déjà que je... C'est terrible. Faut déjà que je soigne tout mon gilet, quoi. Putain, j'ai deux grenades. J'ai une balèze. Ok. On est parti. Krauser, où est-ce que tu l'emmènes? Je peux lui tirer dessus. Ça serait incroyable. Et ça enclenche une cinématique bonus. Ok.
focus. Très bien. Ah, il était pas évident, hein. Il était réellement pas évident. Hein. Bon, par contre, il m'a fait comprendre qu'on est plus près de revenir en arrière, donc... ok, on est toujours dans le château. Allez, note de la gouvernante. J'ai échoué, monseigneur. Je n'ai pas été capable d'exaucer votre dernier souhait et de remettre le jeune garçon sur le droit chemin. Maître Ramon n'était encore qu'un enfant quand j'ai vu pour la première fois le mal en lui. Lorsqu'il découvrit qu'une servante se moquait de lui en l'appelant Pulgarcito dans son dos, il convoqua dans ses appartements privés après avoir forcé la jeune fille à se mettre à genoux. Il lui aspergea le visage avec un flacon de vitriol sorti de sa poche. Le jeune maître regarda avec satisfaction la servante se tordre de douleur alors que la peau de son visage tombait en lambeaux. Son rictus malsain hante encore mes nuits. Avec le temps, le perfidie de Ramon n'a fait que croître. Et les membres de cette secte infernale se sont vite aperçus qu'ils pourraient exploiter son cœur vulnérable. Maudit soit-il. Et ils ont manipulé Maître Ramon et ont fait de lui leur marionnette. Et le pire dans tout cela, c'est qu'ils ont réussi à l'utiliser pour libérer les plagas de la famille. Salazar avait juré de garder scellé à jamais. Don Diego, rassurez-vous, j'ai l'intention de veiller sur Maître Ramon jusqu'au bout, quel que soit le sort qui nous est réservé. Pour avoir été au service de la famille Salazar depuis mon plus jeune âge, ceci est mon devoir et ma pénitence. Excusez-moi. Ok. C'était un très beau mot de la servante, hein, qu'on embrasse évidemment. Là, je me dis, sur un malentendu, il y a peut-être des dingues, tu vois. Ok. Bonsoir. Parfait. Oh. Au moins, j'ai pas besoin de nager. Ok. Les amis, on entame le dernier tiers du jeu. Direction l'île. Ça risque de swinguer. Donc, il n'y a plus rien à récupérer derrière. Allez, let's go. Fais chier. Tu cherches quelque chose ? Chapitre terminé. Let's fucking go. Ok. Ouh, et on s'en sort plutôt pas trop mal, je trouve, pour l'instant. Résumé du chapitre Strike. C'est quoi Strike, tiens? Vaincre 5 ennemis à l'aide des boules de fer. Oh, Terminus Salazar. Là on gagne du potentiel. 84% de précision. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est parti. J'ai l'impression que t'as quelque chose à me dire. Disons que j'ai une question à te poser. Mais je m'attends pas à ce que tu me répondes. Raccoon City. Tu sais, après l'incident, le monde a changé. T'essayes de sauver une personne et il y en a 100 qui meurent. Peut-être que moi aussi j'ai changé. Toi, Léon Scott Kennedy, tu n'as pas à changer. C'est juste dans ta tête. Bref, voilà ma question. Est-ce que t'as changé, Ada? Ou tu comptes encore te servir de moi? À ton avis, on y est. Ne prends pas la tête, beau gosse. À plus tard. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Chapitre 13. Waouh, petit 360 noscope et j'ai déjà dégueulé, je sais même plus où je suis.
Ok, c'est par ici la sortie. Là, on va retrouver évidemment tout un nouveau type d'adversaire. Waouh, c'est beau. Oh, sexy lady. Ok. Ouais, toujours plus, les gars. Toujours plus. Ça, c'est des vrais brigands, ça. Ashley. Te voilà. Ok. On a quoi là ? Des projecteurs. Il vaut mieux les éviter. Ok. On a rien là. Ok. C'est un vrai guépier ici. Je vais devoir être prudent si je veux m'en sortir. Ouais, bon. Vous l'aurez compris, ça va pas être évident tout ça. Allez. Bon, ça je passe, ça me trucide. Hein. Ok, l'issue elle est par là. Et là qu'avons-nous ? Ah. Ok. J'arrive, mon cher vendeur. Le vendeur préféré de tous les vendeurs. Ok, il y a quoi ? Peut-être un trésor ? Non, ça a l'air pas mal ça. Oh putain, bah ouais, mais j'ai pas vu la photo de Salazar. Oh non! On a échoué une mission, les amis. Ah, le seum. En fait, j'étais sûrement déjà... Bah ouais, je viens d'y penser. J'étais sûrement déjà passé... c'était une pièce qui était en arrière, je pense. Ok. Par contre... épitaphe de la grotte érodée. Chassé par les impies belliqueux... Nous nous retrouvons en exil, l'herbe est sèche, les arbres sont stériles, nous attendons l'expiation. Cette île est notre purgatoire, mais ne perdez pas espoir, mes frères et sœurs, notre heure viendra. Ok. Ah, personne perd espoir, là, pour l'instant, c'est ok. Allez, on va voir notre vendeur préféré, Ao. Vas-y, toi, t'as forcément... J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai mis la main sur quelques raretés. Raretés, hein, clairement. Ça. On adore nos êtres. Alors ça, tu pars clairement. À la chasse aux objets perdus. Ça, on prend. Qui trouve, garde. C'est la règle. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre. Une affaire bien conclue. Ok. J'ai... Elle va... Alors attendez. Ah, il me faut un émeraude rouge pour là. À pas te faire tuer, ok. Hein Bienvenue. Oh, 10 000, hein. 10 000, 10 000. 10 000 rien 10 000, de plus facile. Hein. Est-ce que je reviens quand Ok. Bon. On va essayer de voir ce qu'on peut craft. En vrai ça, toujours hein, toujours utile de fou. Ok. Tu veux surtout. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cette aventure vous plaît toujours. On s'approche mine de rien de la fin. À bientôt tout le monde. Bye bye.